Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer à sauver le monde sur Fortnite depuis la nouvelle mise à jour qui vient d'arriver aujourd'hui. Parce qu'en fait quand vous allez lancer le jeu sur Fortnite, vous n'aurez plus la possibilité de choisir le mode Battle Royale ou le mode sauver le monde. Donc maintenant il va falloir lancer le mode de jeu sauver le monde d'une différente manière. Donc là je vais vous montrer, regardez là je suis en train de me connecter. Et vous allez voir que depuis cette mise à jour, en fait, quand on se connecte, il ne nous propose pas de choisir le mode de jeu Sauver le Monde ou Fortnite Battle Royale ou le mode créatif. Ils vont directement nous lancer dans le lobby de Fortnite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ce que vous allez devoir faire pour jouer à Sauver le Monde, c'est d'appuyer sur carré. Ensuite, dans Découvrir, vous allez chercher le mode de jeu Sauver le Monde. Donc là, je ne peux pas interagir avec les boutons. Voilà, parfait. Là, je peux interagir. Et là, vous allez devoir aller dans Découvrir, ensuite dans l'onglet Par Epic, et là, vous avez le mode Sauver le Monde. Donc moi, ce que je vous conseille fortement, c'est d'appuyer sur R3 pour le mettre en favori. Comme ça, vous êtes sûr que dans votre bibliothèque, vous aurez toujours sauvé le monde. Parce que c'est possible que parfois, il va disparaître de par équipe ou par Epic et vous n'allez pas le retrouver. Donc ce serait un peu dommage de ne pas pouvoir retrouver le mode de jeu Sauver le Monde. Louper vos bonus quotidiens, etc., etc. Donc voilà, moi je vous conseille fortement de le mettre en favori pour être sûr de le retrouver à chaque fois quand vous voulez lancer le mode sauver le monde. Donc voilà, maintenant non, c'est comme ça qu'il faut faire. Je trouve que c'est pas forcément mieux. Je trouvais que c'était bien aussi avant, donc je sais pas trop pourquoi ils ont changé. Mais bon, c'est leur choix, c'est eux qui font ce qu'ils veulent avec leur jeu. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulo Mike et ciao. Peace.